Salut à tous, c'est Météo Passion 16. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo du dimanche 10 mai 2020. Petite vidéo qui de base n'était pas vraiment prévue, mais un événement assez exceptionnel et inattendu est survenu. C'est cette vigilance rouge aux très fortes pluies et donc importants risques d'inondation sur les deux départements de la Gironde et des Landes. Alors, les services de Météo France ont jugé bon, à l'instant de placer ces deux départements en vigilance rouge. De nombreux départements également placés en vigilance orange, donc sur la Nouvelle-Aquitaine et une partie de l'Occitanie pour toujours fortes pluies, hein, des fortes pluies. Et donc d'autres en vigilance de niveau jaune, mais en risque du coup moins important. On a également un risque important d'orage violent sur plusieurs départements du nord de la France. Également, ça pourrait également descendre un peu plus au sud, hein. La vigilance pourrait peut-être éventuellement évoluer, hein, du coup. Mais ce qui est à retenir, donc, c'est ces deux départements du coup en vigilance de niveau rouge. Alors bien sûr, il y aura aussi un risque d'orage, hein, sur tous ces départements-là. Mais du coup, c'est le risque pluie qui semble le plus, on va dire, préoccupant. C'est pour ça qu'on a une alerte pluie sur ces départements plutôt qu'orage. Et sur les autres, ce serait plutôt les orages qui prédomineraient. La vigilance. Mais donc du coup, cette situation très agitée sur la France qui est due, pour l'instant, à une remontée chaude de Méditerranée. Et de l'air en même temps beaucoup plus froid arrivé, de l'air polaire, hein, arrivé de nord, et qui est en train de débouler sur notre pays. Et donc ce conflit de masse d'air important sur notre pays engendre cette forte agitation sur la France. Donc, est-ce qu'on va avoir les dernières actualisations? Donc à 17h, par exemple, hein, il y a pratiquement, il y a 50 minutes. Donc la situation évolue peu dans son ensemble, avec toujours des pluies marquées près de la Garonne et dorénavant sur le Languedoc. Mais ce serait éventuellement, surtout entre la soirée et cette nuit, et durant une partie de la journée de demain, qu'on attend la plus forte agitation, donc l'alerte rouge aux fortes pluies sur la Gironde et les Landes. Il a déjà commencé à pleuvoir, il pleut déjà fort, hein, en ce moment sur le sud-ouest, et puis ça va continuer. Durant, a priori, alors on attend quand même des pluies continues pendant une trentaine d'heures. Donc c'est pour ça que vraiment, il y aura certaines accalmies, mais vraiment on attend des cumuls très importants et un risque d'inondation, forcément. Donc c'est pour ça que on a cette alerte-là. Et puis les orages, hein, qui arriveraient donc dans la soirée, qui devraient éclater dans la soirée et la nuit sur les régions du nord principalement. Voilà. Il y a également un suivi en direct de la situation. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Voilà, il n'y a pas eu de mise au point depuis 16h10, mais on va remettre ça d'actualité, je pense. Donc, voilà, c'était pour vous présenter la situation pour la journée d'aujourd'hui, donc la fin de journée d'aujourd'hui et celle de demain, hein, qui s'annonce très perturbée. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à la prochaine.